Nous menons cette opération du recensement général de la population et de l'habitat. Elle est conduite depuis 2018. Et toutes les mesures ont été prises de façon technique et de façon organisationnelle pour assurer la qualité, non seulement des données, mais surtout pour assurer que les agents qui viennent vers eux, évidemment, sont des agents non seulement du recensement, mais bien formés et bien avertis, qui devraient normalement les permettre de répondre aux questions comme cela se doit, mais surtout que ces agents-là ont été vaccinés, ils ont été bien formés et qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à se faire. Cela étant dit, il est important que chacun se recense et nous voudrons que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien soient mobilisées pour le faire et en particulier que toutes les communautés qui y vivent, qu'elles soient étrangères, qu'elles soient nationales, c'est tout simplement de mobiliser leurs agents et qu'ils se recensent à partir du 8 novembre 2021. Et c'est le début de l'opération. C'est vrai qu'on a 21 jours, l'agent a 21 jours pour le faire, mais le plus tôt serait le mieux. Donc c'est de se mobiliser dès maintenant et se faire recenser dès les premières semaines du recensement, c'est-à-dire à partir du 8 novembre.